Deux jours après l'attentat de Londres, le péage d'Ordain, à la frontière entre la Belgique et la France, a reçu une visite impromptue. Celle du Premier ministre français, flanqué de ses ministres de l'Intérieur et des Comptes publics. Il est venu assister aux opérations de contrôle transfrontalier, une image censée rassurer, alors que la France maintient l'état d'urgence face à la menace terroriste. Un des éléments que je retiens de cette visite, c'est l'importance de la coopération avec nos voisins. C'est parce que nous pouvons travailler dans de bonnes conditions avec nos amis belges, que nous obtenons des résultats. Et il est évident qu'avec l'ensemble de nos partenaires européens, nous devons travailler toujours plus avant pour apporter une réponse commune et efficace aux défis et aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Le nouveau président Emmanuel Macron souhaite une nouvelle loi antiterroriste et a appelé l'Union européenne à plus de coordination en la matière, un appel récurrent à chaque attentat.